Bon matin, fait qu'on est samedi matin le 15, ouais. Là, il est 6h54. Olivier, ça fait peut-être 10 minutes qu'il est réveillé. Il s'est réveillé cette nuit pendant presque une demi-heure, 45 minutes. Fait qu'il s'est réveillé un petit peu plus tard ce matin. Là, j'ai été partir une brosse à de lavage. Puis j'ai mis un morceau de saumon dans l'étuveuse que je vais mettre au four en 4 minutes. Parce que tantôt, je vais le laisser refroidir, puis après ça, je vais faire genre mes croquettes de saumon que je vais vous montrer comment faire. Mais au moins, il va être cuit, puis il va être refroidi parce que ça se manipule mieux. Hein? Fait que c'est ça. Je mets ça au micro-ondes 4 minutes, puis après, je vais aller chercher le lit. Et voilà, fait que ça a peut-être plus pris genre 3 minutes, puis il était pas très gros mon filet. Et il est cuit, fait que je vais laisser refroidir là, dans mon bol, puis tantôt, je vais faire mon mélange là, pendant qu'il va déjeuner de galettes, ben galettes, croquettes de saumon. Dans là, on a Olivier qui fait du ménage. Wow, t'es donc bien bon! Avec son petit toutou. Tu laves le plancher? Tu ramasses les graines partout, partout, hein? T'es bon, bébé! Déjeune, puis mes petites croquettes de saumon cuit, je vais vous montrer un petit peu là, c'est quoi qu'on va manger cette semaine. Fait que dans le fond, vendredi, j'ai rien mis parce que c'est soir de triche là. Fait qu'aujourd'hui, samedi, pour souper, on va manger des blé d'Inde avec du hot dog, des hot dogs. Dimanche, mon amie Karine vient souper d'après moi, on va se manger des pokéballs ou des sushis. Lundi, croquettes de saumon avec des légumes, ça va être des fèves et des légumes, puis de la salade. La salade, dans le fond, je vais la couper, je vais préparer un mélange de légumes, puis je vais juste remettre ça dans mon plat une fois que ça va être le temps de manger. Là, je vous montrerai tantôt. Après ça, poulet piqûre avec des patates douces puis des légumes. Là, ça va être de la macédoine. Quiche fromage de chèvre, saumon fumé avec des légumes, encore de la macédoine, puis de la salade. Puis des boulettes de porc pomme érable. Ça, c'est une recette. J'ai déjà fait une recette qui ressemblait à ça pour Olivier pour quand on a commencé à faire la DME. Mais là, je vais comme la faire version adulte. Là, de toute façon, c'était une affaire inventée. Là, ça arrêtait pas pour nous aussi. Là, mais je mettais des céréales de bébé dedans. Fait que là, j'en mettrais pas. Puis je servais ça avec du riz puis des légumes encore. Fait que voilà, voilà, c'est ce qu'on va manger cette semaine. Puis après ça, moi, j'ajoute mes entraînements. Fait que je m'entraîne du dimanche au jeudi. Puis cette semaine, je vais peut-être même m'entraîner aussi samedi. Je vais voir, là. Fait que je vais les écrire ici, qu'est-ce que je fais. Puis si j'ai des rendez-vous, je les écris aussi, malgré que je les écris sur mon calendrier. Mais j'aime ça les avoir à plusieurs endroits pour être sûr de pas oublier. Fait que voilà!
Fait que ça, c'est ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. J'ai des croquettes de saumon avec la macédoine. Ici, je vais acheter de la salade une fois que je vais manger. Poulet piqûre, patates, riz, salade. Des petites boulettes avec des patates fèves, boulettes, riz, fèves. Puis des petites quiches avec la salade que je vais mettre là aussi. Fait qu'il va juste me manquer à préparer mon mélange de salade. Puis ma tartinade de jambon. Puis c'est pas mal ça, je pense. Ça, c'est ce qui reste dans le fond. Fait que c'est ce que Olivier va manger lui aussi, là. Il va juste falloir que j'y refasse cuire un petit peu de légumes. Voilà! Bon, fait que là, comme vous avez pu voir, une fois que j'ai arrêté de faire ma popote, moi et mon frère, on est allé au Parc des Îles avec Olivier. On a joué à l'extérieur peut-être une heure. Après ça, on est revenu à la maison. Mon frère a surveillé Olivier le temps que j'aille lui chercher du thaï pour dîner. On a mangé ça dehors avec Olivier. Olivier a mangé une petite quiche avec des fruits. Fait que là, dans le fond, on est rentré à l'intérieur parce que bientôt, ça va être le dodo. Il est rendu midi et peut-être 10, là. Fait que vers midi et demi, normalement, il est déjà au dodo. Puis c'est ça. Là, pendant qu'il va faire dodo, moi, je vais laver la vaisselle qui me reste, préparer mon mélange à salade, préparer ma tartinade de jambon. Voyons, il me semble qu'il y avait d'autres choses que je voulais faire. En tout cas. Puis, dans le fond, tantôt, quand il va se relever, ma mère et mon frère vont revenir parce qu'on va se faire des blé d'Inde et des hot dogs pour dîner, pour souper. Fait qu'ils vont arriver un petit peu plus tôt pour jouer dehors avec Olivier, tant qu'au moins je passe la balayeuse à la grandeur puis que je passe aussi la vadrouille parce que là, ça faisait comme 2-3 jours que je l'avais pas passé. Puis quand je fais de la bouffe, le plancher il est sale après. Fait que c'est ça, ça va être réglé. Puis parce que je veux pas le faire quand il dort, j'ai peur que ça le réveille, le boyau passe à côté de sa chambre. Fait que j'aime bien éviter ça, j'ai peur de le réveiller. Donc voilà, c'est un petit peu ça mon itinéraire là, pour cet après-midi.
Fait que là, il est 14h30 peut-être. Olivier, ça a été super long d'endormir, là. Je sais pas pourquoi. Il a pas dormi ce matin. Normalement, vers midi, midi et demi, il est super fatigué. Fait que je le couche. Il fait comme de l'habitude. Puis ça lui a pris presque une heure avant qu'il s'endorme. Il a peut-être pleuré comme 10 minutes après ça. Il s'amusait. Puis crié un petit peu, là, mais tu sais, c'était pas en pleurant. Fait que j'allais pas le voir. Hein. Fait qu'il a tombé endormi à 1h. Quasiment 1h30. Fait que là, c'est pour ça que justement, quand que j'ai filmé ma salade de légumes puis ma tartinade de jambon, je l'ai fait sans son parce que je voulais pas le déranger pour qu'il s'endorme, là, mais en tout cas. Fait que c'est ça. Là, j'ai ramassé les jouets dans le salon. J'étais allée partir une deuxième brossée de lavage. Je viens d'arroser mes fleurs puis je m'assois avec mon café. Fait que ça en fasse bien, ouf! Puis après ça, mon frère et ma mère vont venir tantôt. Fait qu'ils vont jouer un petit peu avec Olivier dehors le temps que moi, je puisse passer la balayeuse et la vadrouille. Puis après ça, ben demain, j'aurai rien de tout ça à penser. Genre, du linge à plier, c'est sûr. Hein. Peut-être que j'en ferai une partie ce soir, on va voir. Puis demain, ben c'est ça, je vais avoir plus de temps pour en profiter avec mon ami. Fait que je suis full contente. La gang, c'est qu'Olivier est déjà réveillé. Fait que finalement, avec tout ça, je vais m'avoir resté genre 5 minutes. Fait que là, il est dans son lit, puis souvent, il veut pas débarquer tout de suite. Bon, je pense qu'il va pouvoir débarquer tout de suite. Je m'arrête peut-être à plier son linge, mais on va voir si c'est possible. Mon frère est arrivé, fait que je m'enligne sur la balayeuse puis la vadrouille. Sérieux, mon plancher, ça fait longtemps qu'il n'a pas été aussi sale que ça, là. C'est quelque chose, là. Il y a de la graine, il y a de la graine, il y a des taches. Puis tu sais, comme je vous dis, moi, j'ai un plancher blanc, fait que ça paraît. Puis dans le salon, là, Olivier est un petit peu graissé sur le plancher, fait qu'il est tout, sale. Fait que je pars ça. Des cristaux d'océane. Je vais boire la tisane aussi, rendu le temps de le faire dodo. Puis je vais me faire un petit masque de beauté louche. Puis c'est ça. Petite soirée relax après une grosse journée, une grosse semaine, ça va faire du bien. Thank you.
dodo pour moi. Je voulais boire la tisane, mais j'ai chaud. Fait que je vais la faire une autre fois. Mais pour ce qui est du sel de bain, là, les petits cristaux, là, oh mon Dieu, que ma peau est douce, genre. C'est fou. Pour vrai, puis ça sentait vraiment bon. La seule chose, moi, ça me dérange pas, mais si vous êtes quelqu'un qui aime pas ça, genre quand il y a des petits résidus dans le bain, tu sais, à nettoyer, ben, ça fait des petits résidus. Un peu comme quand on achète des bombes de bain chez Lush, là. Souvent, il y a des petits. Comme là, c'est des petits morceaux de. Des petites feuilles, là. Des petites fleurs séchées. Fait que, ouais. Moi, ça me dérange pas du tout, mais je sais qu'il y en a qui aiment pas ça quand ça reste des résidus. Mais ça sent tellement bon. Ça rend tellement la peau douce, là. Pour vrai, là. Mon amie Océane, elle m'impressionne. C'est vraiment des beaux produits, là. Pour vrai, je suis vraiment contente qu'elle m'ait offert de les essayer. Puis c'est ça, comme je vous disais, si jamais vous aimeriez ça les essayer aussi, ou vous aimeriez ça faire un cadeau, ou tu sais, des fois ça peut être le fun d'offrir ça, là. Bien, en entrant le code promo Emmanuel15, ben vous allez avoir 15%. Fait que sur ça, je vous souhaite une belle fin de soirée, ou une belle journée, dépendant à quel moment vous m'écoutez. Puis on va se voir demain. Demain, ça va être... j'aurai pas grand-chose à faire dans la maison, dans le sens que ma papote est faite, mon lavage est fait, mon plancher est lavé. Ça va peut-être de ramasser un petit peu ce qui reste, qui traîne. Mais sinon, pour vrai, je suis vraiment contente d'en avoir fait autant, là. Fait que, c'est ça. Demain, on va pouvoir en profiter. J'ai des petites commissions à faire le matin. Puis mon ami va venir me trouver après. Fait que je vais peut-être regarder... si je nous colle quelque chose pour souper, style des pokéballs ou quelque chose de même, ou que je nous cuisine quelque chose. Fait que c'est ça. Donc, bonne soirée, bye bye!